Alors, cette église porte un héritage vraiment extraordinaire. Quand je pense au fondateur de l'église qui est Émile Lassègue, cet homme qui venait de la Californie avec le feu de l'esprit, c'est un revivaliste. Il est venu avec un cœur d'évangéliste. Il voulait évangéliser le coin, évangéliser la ville. Il faisait des émissions à la radio. Souvent, il allait au parc La Fontaine pour évangéliser avec l'église. C'était un homme qui avait à cœur le salut des âmes. Et c'est comme ça que l'église ici a été implantée. La vision de l'église, le centre évangélique, la vision du pasteur Gagnon, c'était d'établir d'autres œuvres, de former des ouvriers et d'établir d'autres œuvres. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, c'était l'ADN de l'église, c'était vraiment la mission. Le Christ a appelé des hommes et des femmes pour en faire ses ouvriers. Tout ouvrier de Christ a une œuvre à accomplir. Dieu a donné à chacun sa tâche. Missionnaire pour la fondation de l'Église, porte-parole pour transmettre ses pensées et ses messages, des annonciateurs de bonnes nouvelles, des bergers et des enseignants qui expliquent toutes les doctrines de la Bible. Donc, le pasteur Gagnon, vraiment, était un formateur, c'est-à-dire qu'il formait des ouvriers. Et je sais très bien, je connais un peu son cœur, il voulait que ces ouvriers-là puissent aller établir d'autres œuvres. Je crois qu'il est toujours important de se rappeler notre héritage, de pouvoir honorer ceux qui nous ont précédés et de pouvoir aussi être une influence pour ceux qui vont nous suivre. Et concernant une période de l'Église sous le leadership de pasteur Patrice Robin, pasteur Patrice avait à cœur d'emmener une révolution dans l'Église, d'amener ce que Dieu avait mis sur son cœur par rapport au centre évangélique, au point que Dieu lui avait donné un autre nom pour l'Église, l'Église Gospel Vie. Et tout ce qui a été fait sous son leadership, et même je crois après son leadership, avait la marque de cette influence. Et c'est à partir d'ici que justement je suis parti à Sherbrooke pour faire ma formation en counseling pastoral et justement de pouvoir aider les gens qui ont des difficultés, des problèmes dans leur vie personnelle, dans les relations. Mais tout a commencé ici. J'ai vécu le pastorat avec le pasteur Gilles Gagnon, avec le pasteur Gaëtan Paquette, également Patrice Robin, puis par la suite, j'ai déménagé pour Sherbrooke. Il est nécessaire de savoir quel est l'héritage qu'on a. Pasteur Lassègue a été, je crois, à mes yeux, un révolutionnaire de son époque, en ayant une émission de radio. Il y a eu d'autres pasteurs qui l'ont suivi, pasteur Gagnon, qui portait vraiment un cœur d'ouvrir des églises, que le centre évangélique de l'époque ne soit pas seulement une église qui a beaucoup de personnes, où il y a beaucoup de personnes qui affluent, mais que ce soit une église mère, qui engendre d'autres églises. Et il y a eu pasteur Paquette qui voyait dans l'église une église qui est un phare pour notre région. Et pasteur Patrice a été un des exécutants de la vision de Dieu, de positionner l'église Gospel Vie comme une église qui est un phare pour Montréal, qui est une lumière pour la ville. Et c'était vraiment une joie pour moi. Sans dire qu'il n'y a pas eu de difficultés, il y a eu des défis, mais c'était vraiment une joie pour nous, pour moi, de pouvoir m'impliquer dans ce projet et de contribuer à cet héritage qu'on laisse à l'Église et pour les prochaines générations. Je crois que l'Église ici est appelée à être un phare pour la région ici, un phare pour ce quartier ici, pour la ville de Montréal. Et c'est un appel qui est ici à l'Église. Et aussi avec ça, je crois qu'il y a un appel du Saint-Esprit. Il y a vraiment une présence de Dieu ici pour les vies changées, les cœurs guéris, les vies transformées. Cette Église est appelée à remplir cette mission-là. Et je souhaite vraiment que l'équipe pastorale et l'Église au complet, que vous puissiez faire confiance à Dieu pour aller remplir la grande commission, parce que l'appel est là, l'onction est là, le Saint-Esprit est là, il reste juste à dire oui et à obéir au Seigneur.